Dieu, tu es véritablement un peu de moi. Thank you.
poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec foi. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui est. Je demandais que nous les portes de notre côté là-bas.
Nous devons tenir nos bras aussi, s'il faut, les fenêtres aussi pour que l'air puisse passer. Mon frère Zaché, mon frère Rosario, veillez un peu à ce qu'il y ait quand même des fenêtres qui soient ouvertes, que l'air passe. Il faut vraiment qu'on ouvre, peu importe le voisin, on leur expliquera effectivement qu'on ne peut pas être étouffé. Il faut que l'air puisse arriver à pouvoir passer. Nous remercions notre Dieu qui nous a apporté cette grâce. Là aussi aujourd'hui, on voit que la chaleur fait son travail. Et nous allons essayer de faire un maximum. Je ne sais pas, mon frère, si peut-être que le fait de tirer les tentures pourra te permettre encore que. Je ne sais pas très bien, mais veuillez voir un peu. Cela est possible qu'on puisse les lier et quelque part pour que vraiment que l'air puisse circuler de manière à ce qu'on puisse se sentir quand même mieux. Je pense que les appareils fonctionnent. On prie là pour que Dieu donne un peu l'avantage derrière pour avoir plus d'appareils. Amen. Cela est possible pour que nous puissions arriver à pouvoir aussi être dans les conditions qu'il faut pour pouvoir aussi écouter la parole de Dieu. Puisse le Seigneur bénir chacun de vous. Amen. Et qu'il puisse vraiment aussi vous accorder encore davantage de grâce qu'il nous accorde de pouvoir marcher avec lui et de pouvoir aussi expérimenter aussi sa parole dans notre marche. Et nous avons besoin de ces dieux tous les jours de notre vie. Amen. Donc, remercions, je le remercie de tout mon cœur pour la grâce qu'il nous a accordée. Hier, j'étais ici avec les jeunes frères et les jeunes sœurs, nous avons pu avoir le temps de pouvoir nous retrouver ensemble autour de la parole. Et les sœurs étaient là aussi. Nous étions heureux de pouvoir nous retrouver. Pour voir également aussi, voir comment et le regard que le Seigneur pose aussi sur nos jeunes frères et nos jeunes sœurs aussi. Et de voir aussi effectivement l'action de Dieu au milieu de nous, quand nous pouvons réellement aussi voir comment il utilise aussi nos enfants au travers des chants et des cantiques et les dons qu'il répand aussi parmi nous. Nous voulons réellement nous approcher davantage pour que le Seigneur, notre Dieu, fasse réellement son œuvre et qu'il continue à pouvoir le faire parce que c'est le désir de Dieu de pouvoir réellement avoir un peuple qui lui appartient et de le posséder totalement parce que c'est la volonté de Dieu et c'est pour cela que l'Évangile nous a été donc aussi envoyé afin que nous connaissions quelle est donc la volonté de ce Dieu qui nous a aussi visités dans une contrée lointaine où nous étions effectivement, afin que nous puissions vraiment le connaître et que nous puissions apprendre aussi à pouvoir le servir. Nous voulons réellement apprendre à servir ce Dieu et que nous sachions comment il veut que nous puissions le servir et de quelle manière il voudrait effectivement que nous puissions être pour qu'il soit aussi glorifié dans la façon dont nous le servons effectivement, comme le Seigneur lui-même l'avait dit dans la parole, effectivement, que le vrai adorateur adorant Dieu en esprit et en vérité, ce sont ceux-là effectivement que le Père cherche. Donc, nous sommes appelés à pouvoir devenir de vrais adorateurs, effectivement, pour que le Seigneur soit glorifié dans ce que nous faisons effectivement pour sa gloire. Alors que nous étions là aussi, je crois que les jeunes frères et sœurs ont eu des questions qu'ils avaient eu à pouvoir préparer, mais j'ai eu à pouvoir répondre à quelques questions parce qu'elles étaient tellement aussi nombreuses. Et comme je l'ai toujours eu à pouvoir le dire, une question c'est aussi, appelle aussi à un enseignement, et puis ça prend aussi beaucoup plus de temps, mais comme il y avait deux autres personnes que je devais aussi recevoir après la réunion hier, et le temps était aussi coupé. Et j'ai dit, si Dieu le permet, j'aurai l'occasion de pouvoir répondre à cela. Mais nous remercions notre Dieu pour sa miséricorde et sa grâce. Je tenais aussi d'abord à pouvoir vous remercier parce que je crois qu'il y a un temps, on avait fait une annonce ici pour que nous puissions avoir quelque chose pour l'église qui doit être construite à Myanmar, au niveau de Calais, et vous avez pu contribuer, et puis nous avons pu aussi ajouter aussi quelque chose. Et là, ils m'ont envoyé effectivement les photos de la construction de cette église, donc ce bâtiment. J'aurai l'occasion de pouvoir demander aux frères de pouvoir les afficher là pour que vous voyez, vous qui avez contribué avec
le peu que vous avez donné, et vous voyez effectivement ce que ça produit de l'autre côté. Et aujourd'hui, ils continuent toujours à bâtir, ils ont besoin encore. Vous verrez à peu près, c'est très touchant, hein, de voir à quel niveau le bâtiment est arrivé, et à quel niveau aussi, et ce qui reste effectivement, et les personnes qui travaillent. Je pense que c'est absolument important que vous le voyez aussi. Donc on va essayer de pouvoir les afficher là-bas pour que chacun de vous puisse voir. Et si le Seigneur met encore à cœur, je pense qu'ils ont encore le besoin pour que ces bâtiments puissent être achevés, puisse le Seigneur nous bénir. Je pense que j'ai eu ce matin un appel, enfin un message qui m'a été envoyé. Notre frère Bénélice et notre sœur Patricia se trouvent en France. Notre sœur a perdu sa cousine de 35 ans. Et elle est donc partie, alors que bon, qu'elle parlait avec les autres personnes, effectivement, elle a eu une crise cardiaque à l'âge de 35 ans, et elle est partie. Ainsi que notre sœur est partie de l'autre côté pour aller pour les funérailles et pour l'enterrement. Nous voulons prier pour notre sœur et aussi pour sa famille. Notre Père, le précieux Sauveur, c'est vrai, la mort, elle vient, elle frappe, et on le sait à quel moment elle est venue. Ce que nous devons, c'est que nous puissions être prêts. Et cette jeune fille, elle avait 35 ans. Là, la mort l'a frappée, elle ne s'y attendait pas. C'est vrai, Père, nous prions pour que tu puisses consoler notre bien-aimé sœur Patricia, ainsi que notre bien-aimé frère Bénédicte, qui sont là-bas en France pour le funérail. Tu sais combien ce sont des moments tellement difficiles. Lorsque père est calme, c'est tout. Une jeune fille aussi qui était tellement aussi dans son âge, dans son âge père, et qui avait beaucoup de projets. Cela a été réellement aussi stoppé par l'ennemi de manière à ce qu'elle ait été prise. Nous t'implorons la grâce, toi qui consoles le cœur, et qui sera aussi consolé, et accorder aussi la grâce pour les personnes. Je te remercie pour tout ça. Votre fille, que tu nous consoles, que tu nous bénisses à l'aller et au retour. Nous prions pour que tu puisses vraiment assister notre sœur, parce que ce n'est pas un moment facile. Toi qui consoles, que tu nous consoles. Là, nous t'avons aussi prié. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de pouvoir lire la portion de l'Écriture que je voudrais lire ce matin, j'ai donc une question ici que je voudrais répondre. Je vais voir comment Dieu conduira si il permettrait que. Peut-être à chaque réunion, je puisse répondre une ou trois questions, voir jusqu'à ce que je termine ce qu'il y a là comme question, ou soit le moment où j'aurai l'occasion de se retrouver avec eux pour répondre aux questions. Je ne sais pas encore, mais je prie que le Seigneur accorde la grâce. Parce que les jours de réunion, je ne sais pas s'il veut que je puisse répondre. Je commets ce matin, certainement, ben, je crois qu'il m'a permis que je puisse lire la question ici pour. Donner quand même un éclaircissement. Parce que je vois la question est là. Je voudrais avoir un éclaircissement concernant. Ça vient donc d'une des sœurs, je pense, qui va se trouver ici. Je pense que c'est une sœur, mon frère, je pense bien, qui était ici donc hier, donc, lors de la réunion avec les jeunes. Donc, sa question est celle-ci. Je voudrais avoir un éclaircissement concernant la parole qui dit que ton oui soit oui et que ton non soit non en rapport avec les fiançailles et lorsque cela doit être rompu. Et donc, dans le cas de Joseph et Marie, je voudrais aussi savoir pourquoi l'ange a dit à Joseph de ne pas craindre de prendre Marie sa femme et pourtant ils étaient juste fiancés. Est-ce que nous pourrons considérer le fiançailles comme mariage. Matthieu 1, 18, 40. Ainsi, quelles sont les conditions pour rompre sans trahir notre vie? C'est une bonne question. Réfléchir effectivement à la personne qui l'a posée. Alors, je voudrais que vous puissiez comprendre ceci. Chaque fois que nous nous trouvons dans la maison du Seigneur, et que le Seigneur nous parle par sa parole, il nous est demandé toujours de prêter toujours attention. Amen. Il faut vraiment prêter attention à la parole de Dieu. Souvent, quand nous entendons la parole, on dit,
prêter attention, mais on trouve cela comme si c'est une répétition. Mais c'est le Seigneur qui veut que nous prêtions attention. Parce que je pense que la plupart des questions qui sont en rapport à ce qui est posé ici, là, on déjà parlé ici. Et aussi, quand vous posez une question ou quand vous êtes dans un sujet, je crois que c'est normal, la question d'être posée, je crois que ça va éviter les uns les autres qui sautent dans la même situation. Il faut que vous fassiez très attention, mon frère et ma soeur. Je veux que vous compreniez cela. Dieu demeure Dieu. Nous avons des habitudes, en fait, intellectuelles et notre façon de pouvoir voir les choses et comprendre les choses qui nous créent aussi des problèmes, effectivement, dans la marche. Et nous devons faire confiance à la parole de Dieu qui nous est aussi donnée par les éclaircissements que Dieu nous donne pour ne pas rester dans nos doctrines et notre façon de pouvoir voir les choses. Prenons cette question qui est posée. Concernant la parole qui dit que ton oui soit oui et que ton non soit non, en rapport avec le financement, vous avez remarqué? La question a été posée avec le oui ou le non. Que ton nom soit, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et puis directement, on a lié avec le oui du fiançailles. Ce n'est pas conforme à cette écriture. Donc, chaque chose doit être placée dans son contexte. Amen. Quand il est parlé que ton oui soit oui et que ton non soit non, cela n'a rien à voir avec le fiançailles. Cela est en rapport effectivement avec quoi? Prenons dans Matthieu au chapitre 5, je pense. C'est ça. C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire, ne faites jamais des déductions, puisque là, ainsi, ainsi. Il faut que chaque chose soit placée dans sa juste place. Matthieu au chapitre 5, je pense que c'est ça, oui. Matthieu chapitre 5, je vais trouver Matthieu chapitre 5, merci. Merci. Mais c'est vrai, c'est ça. Chapitre 5, verset 34. Bon, verset 33. Matthieu 5, verset 33. Il dit, vous avez encore appris, c'est le Seigneur qui parle, hein? Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Donc ici, on parle du serment. Vous entendez? Et puis il dit, mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Écoutez encore, il dit, ne jurez pas non plus, donc on parle du juré, ne jurez pas non plus par ta tête, parce qu'on dit, oui, je les jure, que tu vois, c'est la vérité, je les jure, vous connaissez, non? Il dit, mais ne jurez pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non et non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc, quand tu dis, tu parles, tu dis ce que tu dis à la personne, tu dois dire c'est la vérité. Tu vas dire que je jure, je jure, je jure. Non. En fait, ce que j'ai dit est vrai. Donc, mon oui que j'ai dit, c'est un oui qui est vrai et sincère. Donc, c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'il faut comprendre quand on dit que ton oui soit oui et que ton non soit non et que ce que l'on ajoute vient du malin. Pour confirmer cela aussi, dans Jacques au chapitre 5, Jacques, je pense que c'est cela, oui. Jacques, chapitre 5. Nous pouvons lire à partir du verset 10, il dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici donc, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment.
Verset suivant. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous savez, Jacques, c'est hébreu, je crois. Donc vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Verset 12. Vous suivez? Avant toute chose, mes frères, qu'est-ce qu'il dit? Ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Donc ça n'a rien à voir avec le fiançailles. Donc, alors, je continue maintenant sur la question. Alors maintenant, quand nous prenons maintenant le fiançailles dans son contexte, en rapport avec les fiançailles, et lorsque cela doit être rompu, dans les cas de Joseph et Marie, je vais aussi savoir pourquoi l'ange a dit à Joseph de ne pas craindre de prendre Marie, sa femme, et pourtant ils étaient pas encore, ils étaient juste fiancés. Est-ce que nous pourrons considérer le fiançailles comme mariage? Ainsi, quelles sont les conditions pour rompre sans trahir d'autres oui? Donc, vous voyez, donc, revenons toujours sur le oui-oui et les non-non. Ils n'ont rien à voir, effectivement. Le oui des fiançailles est un oui qui est tout à fait différent. Dans quel sens, effectivement? Parce que lorsque vous dites oui, dans le cas de fiançailles, c'est-à-dire que le jeune homme, la jeune fille, effectivement, dit son oui dans le cadre des fiançailles, c'est en fait un accord, un agrément dans ce sens que j'accepte effectivement la demande que tu m'as faite. Le fait d'accepter la demande que le jeune homme a fait à la jeune fille ne fait pas de la jeune fille la femme du jeune homme. Est-ce que vous suivez? Amen. Je vois que vous en savez déjà. Amen. Alors, la période de fiançailles, c'est une période qui est entre l'engagement définitif qui est donc le mariage, c'est-à-dire qu'une période d'observation où on doit arriver à pouvoir maintenant s'approcher effectivement de la famille et de la fille, et voir aussi la famille aussi et de l'homme, puisque nous avons eu à pouvoir avoir le tableau complet ici, vous aurez, non? Est-ce que vous vous souvenez? Quand je pose une question, frères et sœurs, ne soyez pas muets, répondez par oui ou par non, parce que je dois savoir, si vous ne vous souvenez pas, que je revienne. Est-ce que vous vous souvenez? Alors, levez la main pour que je vois. Parce que toutes ces choses ici, nous avons précisé. Et quand vous n'êtes pas là à l'Assemblée, demandez la prédication qui avait été apportée pour que vous soyez aussi au courant. Alors, vous l'écoutez effectivement aussi. Donc, je pense que hier, avec la réunion de jeunes, j'ai eu à pouvoir, effectivement, par la grâce du Seigneur, leur montrer par rapport à ce que, lorsque le Saint-Écriture parle du jeune homme, et qui inclut effectivement aussi la jeunesse, effectivement, dans laquelle la jeune fille aussi se retrouve. Mais nous avons pu voir que, en grande majorité, effectivement, l'accent était mis sur le jeune homme à cause de la responsabilité que le jeune homme est censé pouvoir arriver à pouvoir assumer pour la jeune fille. Parce que la Bible nous a montré effectivement que l'homme est le chef de la femme. Donc, déjà, quand il est jeune homme, il doit apprendre à pouvoir savoir que la jeune fille, effectivement, et sera sous ma responsabilité. Et la jeune fille apprend pour savoir qu'un jour, je devais être sous la responsabilité d'un jeune homme, d'un monsieur, effectivement, qui va m'épouser. Donc, le rapport entre les deux, effectivement, la manière dont les choses s'est passées dans la jeunesse, effectivement, montrait comment, effectivement, l'éducation se faisait, effectivement. Donc, en réalité, la jeune fille, effectivement, est aussi longtemps qu'elle n'est pas encore dans la maison de son mari, il est encore sous la responsabilité, effectivement, de ses parents. Amen. Donc, vous comprenez? Amen. Donc, ce qui veut dire que, même si elle a dit un oui, comme nous l'avons entendu, effectivement, c'est oui, effectivement, le langage qu'elle, effectivement, dans ce qu'il venait de vous dire. Mais en fait, son père et sa mère peuvent les désavouer dans son oui qu'elle a eu à pouvoir dire. Et devant Dieu, elle n'a pas de problème. Amen. Donc, ces fiançailles en question dont on peut parler, effectivement, pas arriver à pouvoir se rendre. Et puis en plus, il faut que nous comprenions d'abord, je crois l'avoir déjà parlé ici,
Le fiançailles ne devient fiançailles qu'effectivement que lorsque, tout de même, les deux familles ont eu à pouvoir aussi approuver. Ce n'est pas que j'ai dit, bon, voilà, ma soeur, je t'aide à tuer ma fiancée. Je suis fiancé, c'est ma fiancée. Non! C'est pourquoi je ne vais pas aller dans ma divorce. Je dis tantôt que le Seigneur m'a instruit là-bas. Quand il me dira le temps, vous pourrez y entrer aussi. Et je voudrais que vous compreniez, vous, jeunes frères, nous avons pu avoir. Hier, je ne voulais même pas, mais maintenant, comme ça, il s'est posé, ne mettez jamais un loquet sur une sœur. Entre vous, les frères, un frère a eu à pouvoir parler avec une sœur pour dire, voilà, je t'aime. Et entre vous, ça passe du bruit. Ah, j'ai vu que le frère Jacobin a eu à pouvoir parler avec la sœur, je ne sais pas moi, Alpha. Ah, je ne sais plus quel nom je peux prendre. Ou sœur infantilateur. Parce que je n'ai pas quoi maintenant. Nous parlions des. Jean-Mosso est venu. Donc, effectivement, le fait qu'il y a eu des bruits comme ça, c'est comme cette sœur-là était déjà liée à ses jeunes frères. Donc, le bruit va commencer à pouvoir s'occuper, effectivement. La jeune sœur se sent effectivement emprisonnée par les jeunes hommes. Un autre frère peut venir et que Dieu aille pouvoir peut-être lui montrer que voilà, c'est celle-là, il n'aura pas facile parce qu'en fait. C'est comme, alors qu'en fait, la jeune sœur n'est pas liée à quoi que ce soit. Mais vous avez créé un lien, vous, qui fait que la jeune sœur, c'est ça, effectivement, emprisonnée, effectivement, les jeunes hommes, moi, non. Aussi longtemps que les choses ne sont pas faites selon la parole de Dieu, eh bien, les jeunes frères et la jeune sœur sont libres. Tout frère ou toute sœur, enfin, tout frère, effectivement, qui sent que le Seigneur l'a conduit, il a la liberté de voir prier Dieu, effectivement. Ne faites pas des choses qu'il ne faut pas faire. N'amenez pas des dogmes ici, effectivement, non, nous devons, quand c'est Dieu qui veut que la chose, il va mener la chose jusqu'au bout. Alors on y va jusqu'à la chose. C'est absolument nécessaire que nous puissions arriver à pouvoir vraiment avoir la connaissance juste de ces choses-là. Comme je pense que la question est assez libre, Marie n'était pas vraiment mariée à Joseph. Elle était potentiellement sa femme. Mais comme vous pouvez aussi réaliser aussi la particularité du lien entre Joseph et Marie, c'était normal. Un ange dise que c'est sa femme. Donc vous n'êtes pas Marie, vous n'êtes pas Joseph. Donc il faut que nous revenions dans le contexte de la parole où nous sommes placés. Parce qu'il y a des cas particuliers dans lesquels effectivement nous devons arriver à pouvoir voir effectivement que ça c'est particulier, et ça c'est pas général. Donc à ce moment-là, donc nous comprenons. Mais on sait qu'effectivement que. Mais c'est pour ça, je vais faire une insertion. Il y avait un frère ici. Et il n'est plus là, ici, effectivement, à l'Assemblée. Ah ben le frère est allé. Je n'étais pas là le matin au voyage. Je suis rentré. Mais c'était un frère qui était quand même un peu à l'esprit évolué. Il était petit, irrespectueux. Et il a fallu, quand un frère a un mauvais esprit, il ne respecte pas beaucoup le pasteur. Il ne vient jamais poser une question pour ceci, cela. Il se sent déjà tout fait. Quand un frère comme ça ne vous approchez pas, il est déjà possédé. Peu importe ce qu'il veut, aussi longtemps qu'il est dans cet état-là, il faut une délivrance. Il est pour se délivrer. Et je crois que la plupart des anciens sont aussi connaissants. Et ce frère était ici. Et alors, il a eu à pouvoir s'approcher pour demander, c'était la mère d'une soeur, effectivement. Moi, je n'étais pas là. Et le monsieur est allé directement dans la famille, il a parlé, je ne sais pas comment c'est passé, il a parlé. Et puis bon, ben. Il vient, quand je suis rentré, il dit, voilà, j'ai demandé la mère à la sœur, et voilà, j'ai dit, frère, vous avez demandé la mère à la sœur. Le problème, mais comment ça s'est passé, et pourquoi la famille, ainsi de suite. Les choses étaient floues, parce qu'il me fait, il faut qu'on voit quand même clairement, en rapport avec la famille, et puis évidemment, il vous dit, oh frère, comme j'ai eu à pouvoir demander la main, et j'ai dit, mais frère, même si tu as demandé la main, il faut quand même qu'on voit les choses sur les Saintes Écritures. Bon, j'attendais que le frère me dise effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Il est parti. Quelques temps après, qu'est-ce que j'entends? C'est la sœur qui vient me voir. Bon, elle me dit, voilà frère, j'ai un problème. Je dis, quel problème tu as? Et j'attends bébé. J'ai dit, pardon, je suis enceinte, j'attends un enfant. Je dis, mais de qui sœur? Eh bien, du frère. J'ai dit, frère,
je ne comprends pas tellement bien. Il dit, l'ange a dit à Marie, à Joseph, ne crains pas de prendre un mari ta femme. Eh bien, pour moi, c'était ma femme, et je vous avais la besoin. Aujourd'hui où je vous parle, la sœur est de son côté, le monsieur de l'autre côté, il est un peu comme quelqu'un qui est traqué, effectivement aussi. Tu vois les frères qui sont ici, aussi, connaissent, les sœurs aussi. Je crois que j'entendais la main là. Amen. Ah, mais la sœur, voilà, ceux qui sont ici connaissent, effectivement, je n'ai pas entendu les frères. Donc, il faut qu'on soit vraiment très prudent. Amen. Dans ces choses, effectivement, et savoir effectivement comment les choses s'appliquent en lui. Alors, comme je dis, bon, écoutez, comme le mariage, je réponds à cela, et ainsi, quelles sont les conditions pour rompre sans trahir notre oui. Et comme nous l'avons entendu, effectivement, le oui et oui, ça n'a rien à voir avec le fiançailles. Et pendant la période des fiançailles, ce n'est pas de mariage, effectivement, c'est une période d'observation. En réalité, si l'homme en question ne convient pas, ou effectivement que la femme en question, la jeune fille, effectivement, ne convient pas, qu'il y a une situation qui s'est passée, effectivement, mais c'est normal que les parents ne soient pas d'accord. C'est normal, évidemment, que les fiançailles en question, il n'y a même pas eu fiançailles, effectivement, mais ou bien c'est lié dans lesquels vous vous êtes trouvés, effectivement. Parce qu'ici, quand on parle, effectivement, des fiançailles, Joseph et Marie, c'est que les parents, déjà, étaient d'accord. Amen. Là, on parle des fiançailles. Amen. Mais si les parents n'étaient pas d'accord, il n'y a pas les fiançailles. Amen. Donc, il n'y a même pas la question sur on a rompu. Donc là, effectivement, c'est différent. Donc, on voit, effectivement, comment les choses sont. Est-ce que ces choses ont été claires? Amen. Alors, je sais qu'il y a toujours des questions, mais nous prions que le Seigneur nous accorde la grâce si on peut entrer dans les questions de mariage, de divorce, et de manière à ce qu'on puisse aussi voir clairement les choses à leur juste place, comme la grâce qui m'a accordé aussi, de pouvoir voir cela aussi. Alors, nous allons prendre dans le livre des Hébreux, Hébreux au chapitre 10, et nous lirons avec vous au verset 25. Hébreux, chapitre 10, verset 25, nous disons, n'abandonnons pas notre sport. Semblez-nous, simplement, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Tendre Père, monsieur Sauveur. Nous voulons te dire merci. Je te remercie de tout mon cœur pour le privilège et la grâce de pouvoir avoir accès à ce trône de grâce, mon Père de Père Saint, dans un temps comme celui-ci, pour recevoir de ta part la grâce de pouvoir nous approcher de toi, pour marcher avec toi, pour entendre ta voix. Et je prie aussi pour ce peuple qui est à toi, qui est rassemblé ici, Père, que beaucoup d'autres vous soient en connexion ce matin, Père, dans différents pays. En Afrique, en Asie aussi, Père aussi, au Dieu de Seigneur partout, en Europe aussi, ici, Père, et aussi aujourd'hui rassemblés pour entendre réellement aussi ta voix. Nous te remercions vraiment, Père. Toi aussi aux États-Unis, partout, Père, ce peuple qui se rassemble aujourd'hui encore pour pouvoir réellement, au Dieu, prendre part à ce que tu fais, Seigneur. Prions pour que tu nous assistes encore. Nous venons de lire ta parole, que le merveilleux Père, puisses-tu encore nous accorder la grâce aussi. Les réponses aux questions qui ont été posées par nous, pour la grâce de pouvoir nous aider toujours d'aller de lumière en lumière, de précisément davantage de bien-aimer Père, en fait, que nous saisissions ce que toi tu attends de nos pères. Bénis-nous, Père, et accorde-nous pour la grâce. Jésus prie pour moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'étais heureux hier dans mon bureau parce que, après la réunion ici, j'ai reçu aussi. Le couple dans mon bureau, et avant aussi cela aussi, le couple que j'avais reçu aussi. Et après cela, j'ai reçu notre jeune frère bienvenu qui est venu me voir, et j'étais touché. Alors il me dit, pasteur, je voulais vous parler parce que et je suis bien content quand je viens. Amen. Et la parole de Dieu a fait son travail. Amen. Maintenant, je commence à réaliser effectivement ce qu'il en est avec moi, avec les choses de Dieu. Amen. J'aime bien prier. Amen. Et il va être baptisé. Amen. 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 Amen.
Jean Bosco. Dorcas, Jean Bosco. Jean Bosco, Ricochet. Regardez pour moi, effectivement. Remercions notre Seigneur. Que son Saint-Nom soit béni. Il a besoin que nous prions pour lui. Afin que le Seigneur. Je pense que ce sera dimanche prochain. Ce sera aussi le dernier dimanche parce qu'après je suis parti pour voir un voyage en Afrique du Sud et aussi au Malawi et aussi au Mozambique. Ils m'ont déjà appelé pour des réunions là-bas. Je pense que c'est cela ce que je vous avais dit aussi l'autre fois. Le Seigneur est vraiment à l'œuvre et la parole a été donc apportée. Toutes les églises aujourd'hui là-bas s'accrochent à la parole. Il voudrait être enseigné, comme je vous l'avais dit aussi, et demandant que je puisse avoir cette responsabilité de le conduire tous de manière à ce qu'ils puissent savoir comment faire les choses. Et ils tiennent, parce que là, je vais aller jusqu'au Mozambique. J'ai besoin de vos prières pour que le Seigneur aide encore davantage aux portes aussi qui s'ouvrent grandement encore aujourd'hui dans plusieurs pays et dans le contrée même le plus. Et lointaine, effectivement, reculée. Et le Seigneur donne la force et aussi la santé pour que nous puissions arriver à pouvoir accomplir, effectivement, sa volonté dans ce temps où nous sommes. Nous venons de pouvoir lire dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, l'écriture que nous avons eu l'occasion de pouvoir lire et que nous aimons beaucoup parce que le Seigneur nous éclaire dans beaucoup de choses là-dedans. Et si vous vous souvenez, je crois que c'était un jour de la semaine ici, nous avons eu à pouvoir lire dans le livre de Romains, je pense. Et je pense que c'était peut-être Romains 13 ou 14, nous pouvons juste retourner dans cela, dans le livre de Romains. Bon, c'était Romains 12, 13, je pense. C'était Romains 13, le verset 11 qui dit. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et si nous prenons le verset 12, il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Alors nous voyons qu'effectivement que le Seigneur attire notre attention maintenant sur réellement la proximité effectivement du jour. Et comme les Saintes Écritures n'en fait pas effectivement un rapport avec le monde et aussi le peuple de Dieu, nous devons réaliser vraiment le privilège que nous avons, une grâce extraordinaire de pouvoir être appelé enfant de Dieu, de pouvoir réellement être instruit par Dieu et dans un temps aussi comme cela, où Dieu lui-même nous parle effectivement pour que nous puissions être positionnés effectivement dans le temps, parce que lorsque le message a été donc envoyé dans un temps comme celui-ci, la lumière a vraiment aussi brillé grandement pour que nous puissions réellement aussi voir clairement comme l'Écriture a eu à pouvoir le faire, que vers le soir, la lumière paraîtra, ça sera un jour unique, connu, de l'Éternel, lui saint, un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Le Seigneur nous accorde la grâce, effectivement, pour que nous puissions voir davantage des clartés en clarté. C'est pour ça, il est écrit donc, il est écrit dans cette écriture, le jour du Seigneur viendra donc comme un voleur dans la nuit. Et je vois que vous avez dû faire attention parce qu'il s'agit bien du jour du Seigneur, pas du jour d'un homme ou d'un prophète, c'est le jour du Seigneur lui-même. Et les Saintes Écritures nous font part effectivement que ce jour va arriver. Et quand nous regardons aussi dans les Saintes Écritures, l'apôtre Pierre, cet homme qui a été avec le Seigneur, qui a été l'homme auquel le Seigneur avait donné les clés donc, du royaume, et ce qu'il a eu à pouvoir dire effectivement, et la chose que Dieu a pris en considération, il nous dit dans 2 Pierre au chapitre 3, en rapport avec ce jour du Seigneur, il dit ceci, 2 Pierre au chapitre 3, donc 2 Pierre au chapitre 3, et
dit ceci, hein, verset 10, de Pierre 3, verset 10, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur, n'est-ce pas? Et puis il dit, en ces jours, les cieux passeront avec frappe. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc effectivement, le jour dont nous parle effectivement, le jour du Seigneur, et cela c'est qui dit que hein, le jour donc approche. Et le Seigneur nous met dans une situation telle que nous puissions être secoués, être réveillés pour que nous réalisons qu'effectivement que ce n'est plus dans un futur lointain, mais c'est vraiment maintenant devenu pour nous beaucoup plus proche. C'est pourquoi encore dans les Hébreux au chapitre 10, regardez très bien comme cet homme de Dieu ici nous fait part de ce que nous venons de lire, parlant donc au peuple de Dieu, dit, verset 25, n'abandonnons donc pas notre assemblée, et puis il dit, comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc, il y a donc effectivement un esprit qui est servi effectivement dans les gens d'une certaine manière ou d'une autre, effectivement, et qui le met dans les conditions de ce qu'ils se sentent à pouvoir faire effectivement tout ce qu'ils ont envie de pouvoir faire, et qui se sentent déjà tout fait comme l'Écriture ne le fait pas. Dans le livre d'Apocalypse, effectivement, au chapitre 3, et là, en parlant, effectivement, à partir du verset 14, où il parle, effectivement, de l'âge de la Odyssée, donc, le dernier âge. Et il dit, mais, ils disent que nous sommes riches, nous n'avons besoin de rien, effectivement. Et nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit, nous avons tout avec nous. Et cela, un peu plus loin que l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, il y aura un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit, nous avons le droit de nous donner, ils se donneront une foule de doctrines. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, le fils de Dieu, la différence qu'il y a entre ceux-là qui sont dans cet état d'esprit par rapport à toi, c'est que pour ceux qui sont de Dieu, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils ne se conduisent pas eux-mêmes. Ils sont donc conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont donc soumis à l'Esprit de Dieu. C'est à ce moment-là que l'Écriture ne fait pas que... Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai les consolateurs, l'Esprit de vérité. Lui, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera effectivement les choses que je vous ai dites. Et si vous vous souvenez encore, lorsque Titus est rentré effectivement à Jérusalem, en réalité, le Seigneur avait parlé à ses disciples, effectivement, et ils étaient restés accrochés à la parole du Seigneur. Vous savez, étant des hommes, les choses doivent aussi avoir aussi oublié parce qu'on entre effectivement aussi parfois dans le mouvement des hommes, effectivement. Et quand ils ont vu l'armée de Titus entrer à Jérusalem, ce soit pour les souverains, c'est tout à fait chose de normal. Mais le Saint-Esprit a eu à pouvoir réveiller effectivement les disciples pour leur dire, souvenez-vous de ce qu'il avait dit. Et lorsque vous verrez Jérusalem investie, alors fuyez. Et ceux qui sont dans la ville, effectivement, pensaient que c'est simplement un moment de change de garnison, effectivement. Non, parce que c'était effectivement l'affaire. Donc, être conduit par l'Esprit de Dieu est une grâce et un privilège. Parce que le seul qui connaît les temps, les époques, l'avenir et les moments, et ce qui va se passer, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc, et c'est vraiment important pour que nous, en tant que le peuple de Dieu, nous puissions soupirer et implorer la grâce du Seigneur, que nous soyons soumis à lui. Donc, nous le supplions pour qu'il fasse de nous ses esclaves. Nous voulons être esclaves de toi, Seigneur, pour que nous ne fassions pas sur nous-mêmes,
si l'esprit qui vient pour me dire, mais de toute façon, tu sais, tu peux faire. Non, Seigneur, je ne veux pas être comme cela. Je veux effectivement être comme tu veux. Amen. C'est que je veux être ton prisonnier à toi. À ce moment-là, je serai sûr et certain. C'est ainsi que l'apôtre Paul, plus loin, il dit effectivement, ben, vous n'avez pas besoin, vous frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, nous avons signé, quand les gens se sentiront tellement bien, et diront, paix sur le titre, nous avons parlé de ça, je pense. Alors, vous sachez une chose, que celle-ci, qu'une ruine soudaine va vraiment arriver. Mais ce jour-là ne pourra pas vous surprendre, vous. Pourquoi? Parce que vous êtes des enfants du jour et de la lumière. Donc, il faut que nous puissions comprendre qu'effectivement, que le Seigneur s'adresse à ses enfants qui sont réellement attentifs à l'Esprit. N'oubliez jamais cela. Il a toujours eu à voir dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, on doit être attentif. Tendre effectivement l'oreille à ce que Dieu dit effectivement pour qu'on saisisse réellement aussi ce qu'il en sort. Ça veut dire quoi effectivement? Que lorsque je me tiens dans la présence du Seigneur, je me soumets totalement. J'oublie ce que mes pensées peuvent me dire. J'oublie ce que mon imagination peut me dire. Je veux simplement savoir ce que Dieu veut de moi. Amen. Et cela aussi, nous retournons à notre sœur, effectivement, en peur de sang, vous vous souvenez? Ah, et a oublié ce que sa logique pouvait lui dire. Ce que le médecin pouvait préciser, et vous savez, il a tout pensé, tout ça, il s'est dit, mais ici, là, moi, je ne pense plus. C'est lui maintenant en qui je dois penser. Et alors à ce moment-là, la chose s'est accomplie. Et je bénis Dieu parce que nous avons un témoignage. Je pense que notre soeur, comment elle s'appelle, Marie Chantal. Hein? Elle n'est pas encore passée, je pense. Elle est passée. Ah, mais que Dieu soit béni. Vous avez entendu son témoignage. Amen. Parce que ce matin, j'ai vu. Et c'est merveilleux de pouvoir voir combien, quand nous entendons la parole de Dieu, et que nous appliquons, on dit, mais Seigneur, puisque tu l'as dit. Et alors on prend position pour la parole de Dieu. Alors là, Dieu a compris. Et c'est vrai, je me souviens qu'en sortant ici, j'ai mis ma main sur l'épaule de mon frère Jacques, et quand on partait, on descendait les escaliers, et que je lui ai dit, c'est bientôt, tu auras tes papiers, je pense, en descendant, effectivement. Tu dis ça, et la soeur a eu à pouvoir entendre, parce que comme il a expliqué, effectivement, il arrivait à la maison, et le frère qui disait, et la soeur lui dit, mais on te l'a dit, vous souvenez? Je pense à cela. Je me souviens quand j'étais en Inde, après avoir prêché la parole, c'était dans Hyderabad, je pense, la ville, effectivement. Et là, je prêchais la parole, effectivement. Maintenant, c'était le moment pour prier pour les malades. Et les gens se sont donc accourus pour qu'ils viennent, effectivement, afin que je puisse prier pour eux. Mais alors, il fallait qu'ils soient en ligne, mais tout le monde voulait, effectivement, que je puisse prier. Et j'ai commencé à poser les mains, et je voyais, effectivement, les gens qui prenaient ma main, qui se battaient pour que la main soit posée sur eux. Et vraiment, les photos, ils sont là, vous savez. Et alors, on a prié, le Seigneur avait vraiment agi. Et quand je suis sorti de la réunion, le frère chez qui j'étais donc invité, il m'a pris donc dans son véhicule, c'était une 4x4, effectivement, pour me ramener, effectivement, à la maison, afin que je puisse me reposer. C'est lendemain, je repartais sur une autre ville. Et voilà qu'on stationne, je descends, il y a un jeune homme qui vient, un petit garçon. Et il s'approche vers moi, et comme vous savez, les enfants, c'est toujours comme ça. Quand et puis il vient, et puis il s'est approché. J'ai pris simplement ma main, je posais sur l'enfant. J'ai dit, oh, que Dieu te bénisse. Vous savez, c'était un petit garçon qui était là. Et le fait que j'ai posé ma main sur cet enfant, quelque chose s'est passé. L'enfant, il a couru chez elle à la maison, effectivement. Il a raconté à sa maman, effectivement, ce qui s'est passé en elle lorsque j'ai eu à pouvoir poser ma main, ce qui s'est passé dans son corps, effectivement. Et moi, je ne savais pas. Je rentre donc dans la parcelle, effectivement, puis je monte à la chambre où j'étais. Je voulais me reposer. J'entends le frère qui me dit, frère, dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a une famille hindoue qui est ici, qui veut te voir. J'ai dit, une famille hindoue. J'ai dit, mais non, ils disent qu'ils veulent te voir, c'est absolument vrai. Je dis, bon. J'ai dit, ils sont montés, la maman avec leur boule ici, là, et puis c'était tous avec tous ses enfants, et ils tremblaient comme ça, comme sur le point de s'agenouiller devant moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais
La maman aura tenu, lorsque tu as touché son fils, quelque chose s'est passé dans l'enfant, il n'était pas bien, il ne sait pas si c'était vraiment, pas spécialement, mais sa vie a complètement été changée. Il y a quelque chose qui est entré dans l'enfant, et l'enfant, maintenant, il est très bien. Et la maman a dit, maintenant, toi, il faut que tu pries pour toute la maison. Il a amené tous ses enfants pour que tu imposes la main sur ses enfants, afin que... Et il était, j'ai encore la photo, je pense, ici. Dieu fait des merveilles. Et c'est vrai, on ne se rend pas compte que quand on termine la prédication, il y a l'onction. Amen. Et ça, c'est ce que les gens ne se rendent pas compte. Et sous l'onction, le Seigneur continue à pouvoir agir. Et quand quelque chose est dit, c'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui parle. Amen. Sans se rendre compte, effectivement. Et je pense que c'est comme la femme qui a touché simplement le plan. Amen. Vous voyez, le frère qui exagère. Nous avons une mère ici. Où est-ce que la droite? Juste simplement pendant qu'elle était malade, je suis passé l'ombre simplement, mon ombre à moi, la guérison, n'est-ce pas vrai? Parce que c'est la situation. Donc, nous réalisons quand même que le Seigneur accomplit les choses qui sont fondamentalement bibliques. Au milieu de nous, pas pour l'homme, mais pour confirmer qu'il est le même. Amen. Hier, aujourd'hui, éternellement. Afin que notre foi soit fondée sur la parole de Dieu. Que ce qu'il a fait dans les temps anciens, il est fait encore aujourd'hui. Alors il dit, mais ces jours-là, ne faites pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un volet. Parce que vous êtes l'enfant du jour et l'enfant de la lumière. Mais il faut maintenant que nous soyons conscients que nous sommes effectivement des enfants du jour, des enfants de la lumière. Siméon était conscient qu'il était un enfant de Dieu, un enfant de la lumière, un enfant du jour, parce que Le Seigneur parla à Siméon, il avait fait la promesse, il dit, mais tu ne mourras point avant d'avoir pu voir le Christ, effectivement, ainsi. Et alors, Siméon ne le savait pas. C'est ça la connaissance. Siméon ne le savait pas. Il était là où il était, quand on a amené l'enfant au temple, il n'était pas au courant. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, est venu pour le réveiller, Siméon. Lève-toi, c'est le moment. Va maintenant dans le temple. Et tu vas voir effectivement que ce que le Seigneur t'a promis. Et bien, il est conduit par l'Esprit. Il va au temple, effectivement. Mais s'il était seulement selon ce que l'homme est, il serait comme Caïphe et les autres, effectivement, regardant et ne voyant rien. Donc, la conduite de l'Esprit du Seigneur est quelque chose de tellement si important pour le croyant. Et c'est cela même qui fait de toi un fils de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, donc je dois privilégier, pas ma façon de concevoir les choses, mais privilégier la conduite de l'Esprit de Dieu. Amen. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Qu'est-ce que tu attends de moi dans cette situation, effectivement? Comment je dois faire, effectivement, la chose? En fait, là, on se sent effectivement dans une solution, dans la position effectivement de maître avec son esclave. Parce qu'on veut cela effectivement pour qu'il puisse dominer sur nous comme étant notre maître et nous dire effectivement ce que nous devons faire. Ainsi donc, nous devons être conscients, réaliser que nous sommes, parce qu'on peut les lire et dire, oh, je le suis. Mais en fait, il faut que tu réalises d'abord effectivement, si tu l'es, ce que tu dois être conduit par l'Esprit du Seigneur. Amen. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit du Seigneur, tu es encore dans les ténèbres. Amen. Donc si l'Esprit du Seigneur me conduit, alors c'est sûr et certain que je sais que je suis donc dans la lumière. Et c'est l'Esprit du Seigneur qui jusqu'aujourd'hui, pas le prédicateur, qui jusqu'aujourd'hui doit prêcher la parole. Amen. Prêcher la parole qui au peuple de Dieu, aux yeux de Dieu, effectivement, parce qu'il a dit à ses disciples, effectivement, attendez juste à ce que la promesse puisse s'accomplir, effectivement. Et c'est ainsi que, lorsque la promesse s'est accomplie en réalité, et ils sont partis pour arriver à pouvoir prêcher la parole de Dieu. Donc, la conduite de l'Esprit du Seigneur est tellement si importante pour nous en tant que croyants. C'est pourquoi il dit, n'abandonnons pas notre rassemblement. Parce que qu'est-ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui? Ce que le Saint-Esprit fait, effectivement, la Bible nous le fait savoir. Ce qu'il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, ainsi. Pourquoi? Pour la division du corps de Christ? Non, messieurs, pour l'unité, effectivement. Et la Bible dit que
Voici eau qui est doux et qui est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Amen. Il y a donc effectivement la pensée effectivement du rassemblement où le Seigneur veut lui-même rassembler ce qui est à lui. Et chacun de ceux qui appartient au Seigneur doit soupirer. S'il y a un temps effectivement où on doit soupirer effectivement pour être réellement dans le lieu de rassemblement, c'est bien, effectivement, c'est dans où nous sommes. Et vous pouvez remarquer que dans les Saintes Écritures, on nous montre effectivement que, en fait, on voit maintenant que les choses naturelles typifient effectivement les choses spirituelles. Je vais vous montrer, regardez bien. Quand on prend, effectivement, quand il était parlé, effectivement, de l'âge de Fès, de l'église de Fès, voilà, l'église de Fès, vous souvenez? On voit ceci à l'église de Fès. Vous vous souvenez encore? Dans Apocalypse, vous vous souvenez? Amen. Ok. Donc, l'église de Fès était vraiment une église locale qui existait à Fès. À Smyrne aussi, il y avait aussi une église locale qui existait aussi à Smyrne. Et ce qu'on voit effectivement, que c'était une église locale, mais dans cette église locale, il y avait les caractéristiques qui se projetaient pour l'âge de l'église, effectivement, de Fès. Vous comprenez? Alors, lorsque le jour de Pentecôte, la parole de Dieu avait été prêchée, effectivement, nous avons entendu comment cela s'est passé, et la Bible dit qu'ils étaient chaque jour assidus, effectivement, au temple. Donc, pour eux, effectivement, le lieu de pouvoir se rassembler était tellement si important parce qu'ils se retrouvaient, effectivement, unis. Donc, on ne les obligeait même pas, mais ils avaient cette soif, ce désir de pouvoir se retrouver dans un lieu de rassemblement où Dieu pouvait réellement aussi le rencontrer. Et voyez, effectivement, quand on parle du temple, c'est un endroit, écoutez très bien, où chacun pouvait venir, effectivement, pour se retrouver dans cet endroit, effectivement. Mais les Saintes Écritures disent, effectivement, que ne savez-vous pas que vous êtes, effectivement, le temple du Dieu vivant. Amen. Donc, nous devons réellement comprendre, effectivement, comme l'Écriture le dit, effectivement, n'abandonnons pas notre rassemblement, notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Lorsque nous avons le même esprit, mon frère et ma soeur, nous n'avons pas de division parmi nous. Amen. 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 Quand nous nous rassemblons, effectivement, ayant le même esprit, la même pensée, la communion, elle devient parfaite. Amen. Et nous voyons qu'effectivement, qu'il n'y a pas de suspicion. Vraiment. Parce que quand il y a une suspicion, c'est la porte ouverte, effectivement, pour que les démons entrent. Amen. Mais j'aime beaucoup, hein, mon frère Branham, il disait une chose, il disait, mais parce que c'est celui qui a fait cette déclaration, mais c'est la vérité. Il dit, mais quand vous venez dans une église pour trouver les erreurs, le diable va faire quoi? Alléluia. Il va vous la montrer des dents. Amen, amen. Mais si vous venez pour avoir la communion, vous y entrerez. Amen. Donc, ça dépend effectivement dans quel état d'esprit nous sommes. Un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu, peu importe le lieu où il peut aller, à chaque endroit où il va, effectivement, il ne va jamais avec un mauvais esprit. Amen. Puisqu'il n'est pas sous l'onction du mauvais esprit, non. Il va avec le bon esprit. Amen. L'esprit du Seigneur, et il va y entrer. Mais ceux qui sont autour de lui, s'ils sont dans le mauvais esprit, c'est à ce moment-là que la guerre commence. Amen. Lui, il n'amène jamais la guerre. Amen. Lui, il vient toujours avec la paix. Amen. J'aime Jésus-Christ. Amen. Il est vraiment le prince de paix. Amen. Lui, il n'avait jamais rien fait. Il vient. Vraiment. Mais c'est sur les pharisiens et sadducéens qui commençaient à trembler. Mmh. Il dit, mais pourquoi est-il venu? Pourquoi? Vous vous souvenez encore de David, non? Mmh. Vous souvenez de David, non? Amen. Il est parti sans rien penser. Son papa devait lui père, effectivement. À peine entré, son frère dit, tu es venu quoi? Avec ton orgueil. Mais les pauvres n'étaient même pas orgueilleux. Vraiment. Il dit, mais je suis venu pour le père. Il dit, non, on te connaît ton orgueil. Mais non, mais non, mais non, mais non. Nous allons parler hier. Amen. Donc, effectivement, quand vous êtes de Dieu, vous avez toujours l'Esprit de Dieu en vous. Amen. Vous ne serez jamais quelqu'un qui apporterait la division. Amen. Jamais quelqu'un qui apporterait le trouble. Non. Amen. Parce qu'en vous, il n'y a pas l'esprit de trouble. Amen. En vous, il y a un esprit de paix qui ramène effectivement la paix. Amen. Alors, quand vous vous rassemblez, c'est pourquoi le Seigneur l'a dit. Là où deux ou trois sont rassemblés en vous. Amen. Donc, nous sommes rassemblés en ce moment. Deux ou trois. Alors, mais mon frère, je voudrais
que tu ouvres la porte. Si on, parce que je ne veux pas que le frère et soeur soient dans le problème de chaleur ici. Mon frère, Rosario et mon frère, sachez, vous vous tiendrez de temps en temps dehors. Si quelqu'un vient qui dit qu'il y a un problème de bruit, effectivement, vous ferez en sorte que je puisse. Mais faites-lui savoir que nous avons effectivement une réunion. On est dans les temps où la chaleur y est, effectivement. Je ne veux pas que le frère soit suffoqué ici. Donc, vous veillez, il ne faut pas que quelqu'un vienne imposer quoi que ce soit ici. Vous êtes dehors, effectivement, que quand on termine, vous verrez les pasteurs après. Je suis là pour venir les voir. Donc, effectivement, c'est important parce que nous devons quand même avoir une bonne condition. C'est nécessaire. Nous sommes dans un temps où les gens, d'une certaine manière, nous cherchent des choses. Et nous avons besoin que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce et qu'il nous aide à ce que nous puissions véritablement nous tenir. Et ben, c'est vrai qu'on doit penser aussi aux voisins, de manière à ce que nous ne puissions pas être dans une condition telle que nous devons. Donc, un fils de Dieu, lorsque il se tient quelque part, il a donc l'esprit du Seigneur, et son esprit, effectivement, qui l'anime, est un esprit de paix. Un esprit de communion, Amen. Un esprit d'amour, effectivement. Amen. Et quand nous attendons, effectivement, que le Seigneur, dans le Saint-Écriture, avec l'apôtre Paul, effectivement, qui nous dit, nous montrant, effectivement, comment, lorsque nous avons, effectivement, cet esprit du Seigneur, qui est donc traduit ici comme étant la charité, comment ce que nous manifestons, effectivement, la bonté, donc tout ce qui est nécessairement bon, effectivement. Donc, il n'y a pas, effectivement, dans cette personne, en réalité, c'est de penser effectivement de pouvoir arriver à pouvoir créer quelque chose qui soit de trouble parmi le peuple de Dieu. Mais plutôt, et sa présence est là effectivement pour aussi, parce que quelqu'un qui a l'esprit du Seigneur, il est toujours disposé à aider. Amen. Parce qu'il n'est pas égoïste, mon frère. Amen. L'esprit d'égoïsme, effectivement, n'est pas en lui. Quand nous avons effectivement lu effectivement dans les scènes d'Écriture, quand ils ont entendu la parole de Dieu et la puissance de Dieu est venue effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà qu'effectivement, qu'est là à ce moment-là, et ils ont vu que mon frère n'avait pas, ma soeur n'avait pas, eux-mêmes effectivement, ils ont apporté. Parce qu'il faut que mon frère soit aidé, ma soeur aussi aidée. Il y a cet amour pour faire du bien aux autres. Amen. On veut faire du bien aux autres parce que Dieu m'a donné un don, je l'ai mis aussi au service des autres, effectivement. Donc c'est quelque chose que nous avons, que nous voulons que les autres bénéficient aussi. Donc nous venons avec un bon esprit, nous avons effectivement. Et puis quand Dieu travaille avec toi, tu ne pourras jamais arriver à pouvoir dire, bon, j'arrive, je suis prédicateur, je dis, bon, je prêche, mais j'arrive quelque part, bon, si j'arrive, il faut simplement que je dois prêcher. Mais non, le Seigneur peut aussi permettre que tu ailles et puis tu t'assoies simplement pour écouter. Amen. Je ne veux pas dire que non, mais tu es. Quand Dieu t'utilise, effectivement, il sait effectivement ce que s'il veut que tu aies tout le temps, c'est différent. Mais il ne faut pas toi-même faire, je vais faire un programme, il faut quand j'arrive là-bas, je dois. Non, vous n'y avez pas. Seigneur, est-ce c'est ta volonté? Amen. Parce que ça ne sert à rien. Si Dieu ne t'a pas appelé comme ça, Dieu ne t'a pas appelé, tu peux même prêcher 100 millions de prédications, ça ne sert à rien. Non, je préfère effectivement dire la parole que Dieu m'a donnée pour le temps et le moment, parce que c'est lui qui est responsable. Quand la parole est donnée, effectivement, il n'a pas de responsabilité. Mais si ce n'est pas sa parole, il ne va pas prendre la responsabilité. Donc, moi, en tant que fils de Dieu, je dois être certain que ce que je vais faire, c'est ce que Dieu veut que je fasse. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quand on est conduit par l'Esprit du Seigneur, comme il dit, donc, on ne sera jamais quelqu'un qui soit à la base de troubles, effectivement. Les autres, par contre, oui, parce que nous n'avons pas le même esprit. Donc, à ce moment-là, le rassemblement devient problématique. Mais oui, ça devient problématique. Parce que si on se retrouve quelque part et qu'on a. On est dans un état d'esprit qui est de Dieu, et que les autres n'ont pas le même état d'esprit, alors il y a un problème. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la guerre. La guerre qui va commencer sera la guerre. Pas toi contre les autres, mais les autres contre toi. Mais il faut toujours veiller à une chose. Que tu ne sois jamais la cause. Amen. C'est-à-dire que, il faut que, parce qu'on trouve. Les étudiants, effectivement, comme vous avez d'autres fois dit, oh, et la Bible dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il faut que l'on comprenne effectivement ce que cela veut dire. Amen. Si tu as été faire de fausses déclarations,
si tu as été volé quelque part, et puis la chose t'arrive, tu ne veux pas dire que toute chose concourt pour le bien de Seigneur Dieu. Vous comprenez? Donc, on doit arriver à être dans les conditions telles que tu n'as rien fait de mal, mais la chose t'arrive, alors toute chose concourt pour ton bien. Amen. À ce moment-là, Dieu sait que l'épreuve est venue, il va t'en faire sortir. Allez, n'abandonnons pas notre rassemblement comme c'est la coutume de quelques-uns. Vous savez, il y en a des frères ou des soeurs qui sont dans l'église, ils sont là pour observer simplement les erreurs des uns comme des autres. Amen. Au lieu d'être dans l'église pour faire partie de la communion afin que le frère et soeur nous avancions dans la prière, effectivement, pour que Dieu agisse. Non, ils sont les observateurs, ils vous observent. On va voir, effectivement. Oh, mais t'as vu comment la soeur est habillée? T'as vu comment, est-ce que quand on venait, comment elle était? Est-ce que, mais ils sont toujours comme ça. Ces personnes n'ont pas la paix en eux-mêmes. Ce sont les personnes qui ont un esprit de trouble en eux. Ils ont besoin de la délivrance. C'est pourquoi la prédication parole est apportée pour qu'ils réalisent que Dieu les aime et qu'ils veulent être délivrés. C'est le temps où chacun de nous doit réaliser que je dois réellement prendre position. Mon frère et ma soeur, jusqu'à quand vas-tu continuer à collaborer avec les démons? Pensez-vous que Satan a de bonnes intentions à votre endroit? C'est comme ça que les gens qui sont dans le monde, effectivement, qui sont surtout en Afrique, ils disent, pour avoir des millions, effectivement, je dois vendre ma fille et mon fils, effectivement. Et ils font des choses comme ça, mais je vais être heureux. Mais en fait, après, mais c'est le malheur qui les suit lui-même. Les démons vont les tourmenter, la maladie va... Mais c'est vrai, il n'y a rien pour rien avec Satan. Mais quand Dieu te bénit, même financièrement, tu es dans la paix. Mes frères et sœurs, Abraham était riche. Amen. Jacob, mais oui, c'est vrai, Amen. Jacob était riche. Amen. Abraham, Job n'était pas un pauvre. Non. Job était riche, effectivement. Amen. Et son cœur n'était pas dans ce soir. Faut pas penser qu'effectivement, que Dieu ne veut pas donner les moyens. Il veut donner. Amen. Et quand Dieu t'aime, effectivement, il ne veut pas te perdre. Amen. Il sait que si aujourd'hui, toi, il te donne un million, tu ne vas plus venir ici. On dit, oh, quelle église, effectivement, je vois, ils ont du bois, moi, et je vis dans la maison avec le marbre. Non, ils font une église avec marbre. Avec, quand j'arrive, effectivement, un tapis avec un fauteuil vieux. Si je suis un banquier dur pendant des heures. Vous comprenez? Donc, mais Dieu veut réellement que toi, tu puisses d'abord connaître, effectivement, être dans la position affermie et enracinée dans les choses de Dieu, où tu vois qu'effectivement que Dieu est principal, l'argent qu'il va donner. Amen. Frère et sœur, Dieu n'a pas dit que tu vas vivre pauvre. Non. Vraiment. Mais Dieu t'a pas donné de pourchasser aussi l'argent. Non. Parce que l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais c'est le sage de ça ce qu'il a dit. Amen. Ne m'en prive pas pour que je puisse arriver à te dire, mais donne-moi aussi les justes milieux. Amen. Amen. Donc effectivement, Dieu sait que les besoins financiers tu en as. Mais ne poursuis pas l'argent. Tu vas en avoir et tu auras des problèmes. Amen. Donc effectivement, Dieu nous connaît et Dieu connaît chacun de nous, effectivement. Donc nous devons comprendre qu'effectivement, que quand nous allons, effectivement, quelque part, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons réellement aussi réaliser qu'est-ce que Dieu attend de nous, comme l'avons entendu, effectivement. Dans le rassemblement, on ne vient pas pour voir ce que l'autre fait. Amen. Je viens, effectivement, pour apporter aussi ce que Dieu m'a donné. Amen. C'est que nous sommes heureux quand on entend les témoignages des uns comme des autres. Effectivement, que le Seigneur a fait ceci, nous avons prié, on peut ceci. Alors, ça nous édifie, effectivement, et nous sommes heureux. Amen. Et vous voyez que notre Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Si ma soeur a été guérie, c'est ma joie parfaite. Amen. Quand tu dis, mais mon Seigneur, tu l'as dit, les gens, les Seigneurs, mais Dieu ne guérit pas, mais nous l'avons vu, tu as guéri. Amen. Donc, que ton nom soit glorifié. Amen. Je veux que mon Dieu soit béni. Amen. Je veux que mon Dieu soit honoré. Donc, quand il fait, c'est pour sa gloire. Donc, je me réjouis aussi. C'est par où est toujours lui. Toujours elle, effectivement. Non! Même si Dieu a fait 20 fois pour la même soeur, je dis, je suis heureux. Amen. Amen. Parce que ça confirme qu'effectivement, que quelqu'un qui t'aime, tu agis. Amen. Ça doit me souligner, on s'est dit, ah Seigneur, je veux aussi être comme celui-là. Il faut quand même qu'il y ait quand même des témoignages, des exemples aussi, effectivement. Si Dieu ne veut pas agir, il va en faire pour ne pas suivre, il faut supprimer. Donc, quand Dieu fait quelque chose avec quelqu'un, c'est pour aussi notre bien. Amen. Pas être là, rien que lui, rien que nous. Nous devons, oh Seigneur. Prenez l'exemple avec nos enfants qui chantent ici. Moi, c'est la joie de mon cœur. Amen. C'est vrai. Amen. Quand vous le voyez, effectivement, chanter,
qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait quoi? Bénissez, frère, je dis cette fois-ci, les autres enfants qui sont comme eux, ils sont occupés à des choses, effectivement, même pour, ils sont encore pleins dans le monde, effectivement. Mais à leur âge, personne ne les a obligés de chanter Dieu. Mais regardez, ils peuvent se lever, préparer les cantiques avec autant de joie, ils se mettent là pour pouvoir chanter, vous vous sentez transporté. Comment ne pas voir que Dieu est en action? Donc, Dieu agit effectivement dans la famille. Quand cet enfant passe effectivement, il dit pas oui, mais c'est parce que c'est la fille de frère Constantin, ou c'est le fils de Bédard, ou d'ailleurs c'est pas mon fils. C'est le fils de frère, d'ailleurs, bah, il chante bien. Non, c'est le mien. Amen. Déjà, la voix est en train de chanter. Bon Dieu d'amour. Que de grâce. Allez voir quand on a mis sur YouTube leur cantique là qu'ils ont chanté ce matin. J'étais là dans mon bureau pendant que je priais, j'ai dit gloire à Dieu. Amen. Parce que je l'avais entendu, c'était hier, c'était vendredi, parce qu'hier j'étais ici. Vendredi, j'ai dit, allez, j'étais à votre soirée, j'étais dans mon fauteuil, en train de regarder. Alors je vois, vous savez, quand Anna chante, tellement qu'elle chante de piste, elle était tellement portée, elle fait sa tête. J'ai dit, aïe, aïe, aïe. Gloire à Dieu. Et nous sommes en train de chanter. Mais c'est vrai, frère, c'est pas qu'on dit ça que les enfants voient en grosse tête, non. On montre que Dieu est en train d'agir. Soyez reconnaissants que Dieu fait ces choses dans nos enfants et nous sommes heureux. Nous devons les entourer, frère. Amen. Si c'était le vôtre, nous disons, ah non, tiens, ah, il dit Dieu, mais c'est aussi le tien. Amen. C'est ce que Dieu fait, c'est pour nous tous. Amen. Ça nous appartient. On doit apprendre effectivement que jamais un véritable croyant peut être égoïste, effectivement. Pour dire que c'est moi. Non, monsieur. Seigneur, il s'agit de ton corps à toi. Quand tu fais pour mon frère, je vais être heureux quand tu entends que mon frère était dans un problème. Et son problème était solutionné, c'est ma joie. Parce que quand il est dans les problèmes, je pleure aussi parce que c'est mon frère. Et ça, il faut que vous compreniez que il faut aussi en ce moment que tu te mettes à la place de ton frère. Ta soeur qui passe parmi les points. Ne te mets pas les frères, non. Mets-toi à sa place, limée. Et si c'était moi, à ce moment-là, quand tu prieras pour la personne, tu pleuras. Amen. Seigneur, si c'était moi, comment je réagirais? Alors il dit, Seigneur, c'est mon frère. Parce que quand tu fais pour lui, s'il est bien, je suis aussi bien. Amen. Alors, son bonheur, c'est aussi mon bonheur. Amen. Sa joie, c'est aussi ma joie. Amen. Nous nous mettons ensemble les uns avec les autres. Parce que c'est ce que Dieu a fait. En fait, Dieu a fait de toi un fils de Dieu différent de la conception des hommes. Amen. Je pense que c'est toujours notre jeune sœur qui a posé une question dans les scènes d'Écriture en demandant si la perfection est de ces jours ou de ce temps, effectivement. Parce qu'il y a une question ici, je crois que je l'ai répondu autre fois, mais la question était de savoir si la perfection. Nous pouvons nous attendre à la perfection maintenant ou dans les temps à venir, n'est-ce pas? C'est la question, je pense bien que. Je ne vais pas entrer dans la question simplement pour me rassurer, simplement ce que je réponds, pour dire. Alors oui, voilà, puisque nous tendons à la perfection, est-ce que le Seigneur nous a promis que nous serons parfaits, cette promesse s'accomplira-t-elle quand nous aurons le nouveau corps ou s'accomplira-t-elle déjà dans ce corps? Le Seigneur l'a dit. Soyez parfaits. Comme votre Père céleste est parfait. Amen. Donc, dès maintenant déjà, alléluia. Le fait que tu es un fils de Dieu, tu es différent des autres. Amen. Donc, tu es déjà parfait Amen. Aux yeux de Dieu, effectivement. Amen. Et regardez, frères et sœurs, juste dans les scènes d'Écriture, parce que nous parlons effectivement de l'attitude d'un fils de Dieu. D'ailleurs, et dans les scènes d'Écriture, dans le livre de Hébreux, nous avons lu tout à l'heure, effectivement, Hébreux, chapitre 10, Hébreux au chapitre 10, d'ailleurs, j'aime beaucoup cet hébreu. Il dit, verset 8, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. J'aime ça.
Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Et puis le verset 10, il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. N'est-ce pas vrai? Vous avez entendu, non? Que nous sommes sanctifiés par l'offrande du Seigneur, une fois pour toutes. Maintenant, regardez très bien. Et il dit, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service, et offre souvent le même sacrifice qui ne peut jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené la perfection pour toujours. Amen. Ceux qui sont quoi? Sanctifiés. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu a fait de nous. Amen. Donc ça veut dire que toi, mon frère, et toi, ma soeur, quand tu as l'esprit de Dieu, tu ne peux pas être assis en train de critiquer. Amen. C'est pas possible. Amen. Tu peux être assis en train de juger. Et il a fait non. Quand cela est en toi, il faut que tu demandes qu'on prie pour toi. Amen. Parce que tu as encore, et tu essaies encore de pouvoir atteindre quelque chose, effectivement. Il faut que tu atteignes, effectivement, la position où l'Esprit Seigneur est en toi pour te conduire. Amen. Amen. Aussi longtemps qu'il n'est pas là, tu n'es pas encore fils. Amen. Ouais. Parce qu'il faut l'adoption, non? Amen. Vous connaissez, non? Amen. Je suis récentant. Il faut que tu sois adopté. Et là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont. Il faut les lire avec vous. Hein. Romains au chapitre 9, je pense que c'est cela. Pour que vous puissiez comprendre cela. Romains au chapitre 9, je pense. Merci. C'est Romains au chapitre 8, dans les notes. 8 ans. Hein. Romains au 8 ans. Et voilà cela. Et voilà. Romains au chapitre 8 ans. Et puis ceci. Verset 9 dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous entendez cela? Ainsi donc, frère, nous ne sommes point rélevables à la chair pour selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur, mais vous avez reçu un esprit. Un esprit par lequel nous crions. Alléluia. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, madame. Là, maintenant, il dit, mais soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Étant donné de Dieu, nous ne pouvons pas être imparfaits. Non. Mon Père, il est parfait, je suis parfait. Amen. Je suis, hein, mon Père est un homme, je suis un homme, je ne suis pas un animal. Non, monsieur. Donc, à ce moment-là, effectivement, c'est pourquoi la nouvelle naissance est quelque chose de très important. Amen. Tous ceux qui parlent d'une manière de la bouche, effectivement, verbale de la nouvelle essence, c'est tellement dans la tête. Mais c'est une expérience. Réellement, on est né de nouveau. Amen. Donc là, nous n'avons plus le cœur ancien, mais c'est un cœur nouveau. Amen. Un esprit nouveau. Donc l'homme devient tout à fait différent. Amen. L'homme spirituel. Les désirs sont aussi devenus différents. Amen. Vous ne les verrez jamais être l'auteur de problèmes. Amen. Amen. Ah, c'est celui qui causait les problèmes. Il a été enseveli. Amen. Amen. Alléluia. Mais là, c'est lui qui vit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc, vous ne serez pas l'auteur des problèmes. Amen. Je ne viens pas dans l'église pour juste avoir critiqué. Et tel frère a béni, et tel sœur a béni. Non, monsieur, Amen. Je viens pour adorer Dieu. Amen. Je viens pour avoir la communion avec mon frère, la communion avec ma soeur. Je vais aider ma soeur, je vais aider mon frère à aller de l'avant. Amen. Et si tu ne viens pas, Alléluia. Je veux bien venir que tu viennes avec moi, mais si tu ne viens pas, moi j'avance, tu l'écris, je ne vais pas te tenir par la main. Non, ne te retiens pas. Amen. Donc effectivement, mon frère et ma soeur, la relation que nous avons les uns avec les autres, nous devons réellement bien l'observer. Amen. Amen. Alléluia. Nous aimons avancer avec tout le monde. Mais si mon frère, si ma soeur, depuis toujours, on a beau prêcher, il est toujours là, critiquant toujours. Amen. Vraiment. Dieu n'est pas
pas mettre ses poids. Non, monsieur, non. J'ai dit, mais je m'approche. Une fois, on avance. Bon. Frère, ma soeur, vous savez que la Bible dit, nous avons entendu la parole de l'homme. Ok, Dieu soit béni. Le lendemain, encore. Et bien encore, dit mon frère. Alléluia. Après un premier, deuxième, premier avertissement, vous bâtissez la maison. Amen. Parce que les mauvaises compagnies vont toujours. Amen. Imaginez, c'est vrai, frère, il faut que nous comprenions que ce n'est plus le temps de jouer. Amen. On ne doit plus s'encombrer des choses inutiles. Je vais m'alléger des choses. Parce que je ne veux pas rater ces jours-là. Nous vivons pour ces jours-là. Nous nous sacrifions pour ces jours-là. Nous supportons les insultes, les saisies, pour rater ces jours. J'ai trouvé en Jésus la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous l'aimons tellement, mon frère, que nous voulons le partager avec tout le monde. Nous voulons que les hommes connaissent notre Jésus de la vie. Pas des églises, monsieur. Il faudrait que vous ne voulez pas des églises, mais celui de la Bible. Le Jésus de la Bible qui est l'alpha et l'oméga et qui marche encore au milieu. Oui, monsieur, parce qu'il y en a de ceux qui nient la colonne de feu. Ils nient effectivement le miracle. Qu'est-ce qu'on a à faire avec eux? Aujourd'hui encore, Dieu agit, monsieur. Amen. Dieu agit encore, madame. Amen. Comment veux-tu que je puisse nier ce que Dieu fait? Vraiment. Alléluia. Nous comprenons que ce que Dieu attend d'un fils, voyez, n'abandonnons pas notre rassemblement, comme c'est la coutume de quelques-uns. Il suffit d'un petit problème comme ça dans l'église où vous êtes effectivement. Nous devons d'abord savoir effectivement ce qu'il a. Nous avons besoin de pouvoir nous serrer les coudes les uns les autres pour traverser effectivement les épreuves et aller de l'avant. Vous savez, quand c'est quelque chose que Dieu n'a pas planté, ça va te dire à ça. Amen. Sûr et certain. Vous pouvez l'embellir, mettre tout ce que vous voulez. Tout ce que Dieu n'a pas planté, ça va s'envoler. Amen. Quand c'est Dieu qui a planté, et que Dieu t'a révélé que c'est moi qui l'ai planté, il est placé là, toi, qu'il bouge. Qui tente, qui danse, ne bouge jamais la place qui n'est pas passée. Donc, cela demande effectivement que Dieu conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, Dieu, tu m'as dit que ici, c'est mon endroit. Amen. Alors, si c'est là où tu m'as placé, je ne bougerai pas tant que toi, tu ne m'as rien dit. Amen. Qu'un homme me dise, non, ça ne va plus. Moi, ce n'est pas l'homme qui m'a dit ça. Amen. Mais toi, tu m'as dit que c'est là où je dois me trouver. Alors, s'il faut mourir, je mourrai là. Amen. Parce que j'ai accompli ta parole à toi. Vous devez être exigeant dans les choses de Dieu. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, n'est pas un sujet à être apporté à tout vent, à gauche et à droite. Non, il a quelque chose de dedans. Il a racine. Oui, monsieur. Amen. Le vent peut venir, il est sans racine. Dis donc, tu m'as planté là. C'est là où tu m'as planté, où je serai. Amen. Il est influencé simplement par son Dieu. Amen. 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 Alléluia. Nous devons réaliser la grâce que Dieu nous accorde lui-même. En tant qu'aujourd'hui, peut-être pour les uns, comme les autres, ils pensent que c'est être un fils de Dieu, c'est historique. C'est peut-être une illusion d'optique, effectivement. Une illusion d'optique ou quelque chose comme cela. C'est l'école. Il est pensé, mais en fait, non, c'est vraiment une réalité. Dieu a fait de toi, mon frère, un fils de Dieu. Amen. Il a fait de toi, ma soeur, une fille de Dieu. Amen. Donc, tu as la capacité Alléluia. D'agir Amen. Comme un fils de Dieu. Amen. Amen. Soyez donc parfait. Amen. Quand il a dit ça,
immaculée. Amen. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Rien ne pourra vous porter cela. Amen. Parce que déjà, lorsque nous naissons de Dieu, toutes les caractéristiques sont en nous. Amen. 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 Oui. Amen. Cela se trouve en vous. Parce que d'abord, vous savez que avant que nous soyons chers comme nous sommes ici, nous étions en gloire à Dieu. Alléluia. Oh oui, mon frère, oui. Pensez-y. Amen. Avant que je me tienne, que vous vous tenez là, nous étions où? Nous n'étions pas dans l'espace. Non. Nous étions en Dieu. Amen. Donc nous étions une partie de Dieu. Amen. Donc en lui, nous étions. Amen. J'aime Dieu parce qu'il dit, mais en lui, Dieu vous a aimé. Amen. Et maintenant, et étant venu dans ce monde, effectivement, il nous ramène où c'est. Il nous ramène où nous étions. Amen. Donc nous retournons en lui. Amen. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit est nécessaire. Amen. Nul ne peut retourner où Dieu était s'il n'a pas été là-bas avant. Amen. Amen. La nouvelle naissance, j'ai toujours eu à pouvoir le dire ici, tout le monde ne va pas naître de nouveau. Amen. Tous ces gens qui sont, nous sommes des chrétiens, baptistes, ne sont pas nés de nouveau, monsieur. Amen. Ne peut naître de nouveau que celui qui était en Christ. Amen. Et il est de nouveau pour retourner Amen. Dans la position dans laquelle il était auparavant. Amen. Oui, monsieur. Amen. Oui, madame. Parce que tout ce qui est chair de la chair de chair. Amen. Et tout ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Amen. Donc, on retourne effectivement là, en réalité, où nous sommes. Nous étions avant que le monde soit. Et qu'effectivement, que les étoiles même ne soient. Alléluia. Effectivement, lorsqu'il était encore dans l'éternité, nous Amen. Étions en Amen. Oh, j'aime ça. Alléluia. Ah oui, nous sommes les attributs, effectivement, de Dieu manifestés. Alléluia. C'est pas historique. Amen. Oh, quand le prophète voulait dire, je me sens religieux. Amen. C'est vrai. Amen. Et oui, quand nous pouvons réaliser tout ce que nous faisons. Mmh, et pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir le dire, ma soeur et mon frère, tu n'as pas à avoir peur de l'enfer. Mmh. Non. Quand j'étais dans le monde, je ne connaissais pas Dieu, j'avais peur de l'enfer. Mmh. Mais maintenant que je suis en lui, je ne peux pas avoir peur de l'enfer. Amen. Parce qu'il n'y a pas de la place Amen. Pour moi, Amen. Et pour toi, il y en a pas. Amen. Amen. Le prix que le Seigneur a payé pour toi. Amen. Amen. Le prix que le Seigneur a payé pour toi. Il n'y a pas une autre rançon peut être au-dessus parce que c'est ce Dieu lui-même Amen. Qui est venu, qui a payé pour toi. Amen. Qui peut encore venir dire non, moi tu as payé, moi j'ai encore plus pour le racheter chez toi. Non, monsieur, Amen. On nous dit que le rachat qu'il a fait est un rachat éternel. Amen. Donc ça veut dire que si tu as été racheté éternellement, tu ne peux même pas être perdu. Amen. Non, monsieur, non. Amen. Sur la liste de ceux qui vont en enfer, ton nom n'y est pas. Amen. Oh, monsieur. Amen. Vous savez, supposons qu'il y ait des trous. Ici, c'est le trou qui amène vers le ciel, et ça, c'est le trou qui amène vers l'enfer. Et que les gens qui veulent pour déposer le trou se soient trompés. Toi qui es dans cette pièce-là, on fait maintenant, on se trompe dans le trou qui va au ciel. On demande le truc qui va effectivement vers l'enfer. Même si c'est sont trompés. Mmh. Ils ont visé tout le cercueil va revenir. Amen. Monsieur. Alléluia. Il est donc non pas celui-là. Amen. Il n'est pas d'ici. Son nom n'est pas ici. Alléluia. Son nom est là. Il vient monter. Mais Alléluia. Amen. C'est vrai, mesdames et messieurs. 100% vrai. Amen. 100% vrai. Où se trouvait Samuel? Il était là. Amen. Il dit, mais non, il n'est pas ici. Je vois un Dieu qui monte. Amen. Il va monter. Parce qu'il attend son rédempteur, monsieur. Amen. Il n'est pas de là-bas. Amen. Non, monsieur. Il doit monter et partir. Amen. C'est sûr et certain. Frère et soeur, nous devons être conscients de la grâce que nous avons. Alléluia. Rien sous cette terre
de permettre valoir à ce que nous avons comme grâce de nous élever ça. Reçois la maison, reçois les femmes, reçois les hommes, reçois les voitures, les vêtements. Rien, monsieur. La grâce que nous avons d'avoir, c'est Jésus, de ce que nous allons vivre. Alléluia. Alléluia. Et plus extraordinaire. Je disais à mon frère bienvenu, je dis que Dieu te bénisse. Amen. Parce que tu ne savais pas que Dieu te connaissait. Amen. Donc, on va utiliser Jean Bosco. D'abord, Dorcas, Jean Bosco. Que Dieu bénisse nos jeunes. Amen. Amen. C'est pourquoi je disais aux jeunes, jeunes ambassadeurs. Amen. Dans vos Facebook, effacez les choses inutiles. Faites passer les prédications. Amen. Les témoignages de la parole que vous recevez. Oui. Parlez de ces Jésus. Amen. Les gens viendront. Amen. Et Amen. Si Dorcas n'avait pas parlé à Jean Bosco, mm-hmm. il serait encore catholique aujourd'hui. Mm-hmm. Bon, Jean Bosco était un fils de Dieu. Amen. Vous ne le connaissez Amen. Pas, vous parlez de lui déjà ici. Dieu est vraiment merveilleux. Amen. Voilà comment Dieu vous utilise effectivement. Et paf, il arrive là-bas. Et quand Jean Bosco est venu, avez-vous vu des ailes? Mm-hmm. Jean Bosco, tout ce qu'il avait avec ces gens Bosco, c'est que tous ceux qui sont autour de lui, Amen. Ils doivent entendre la parole. Amen. Et voilà comment le bienvenu t'a aimé. Amen. Que Dieu le bénisse. Dieu le bienvenu, il dit Dieu t'a aimé. Amen. Voilà comment il fait la ricochée. Il est d'abord touché Dorcas. Dorcas, bienvenue. Jean Bosco, bienvenue. Amen. Et puis elle a dit Dieu t'arrache maintenant dans un monde. Il dit, tu vas maintenant prendre part aux choses merveilleuses. Il dit, quand on parle de ces choses-là, c'est pas pour on répète, non, j'ai vécu. Amen. J'ai été transporté dans les cieux. Donc le Dieu dont nous parlons, nous ne répétons pas les choses de gens. Nous avons expérimenté les choses que nous avons touchées. Oui, il dit, au ciel là-bas, la lumière que nous voyons est à Dieu. Tout est pur. C'est un endroit merveilleux. Il existe parce que moi, j'y ai été. Oui, monsieur. Oui, madame. J'y ai été. Et je suis revenu. Et les anges parlent encore jusqu'aujourd'hui. Donc, nous sommes dans un monde tout à fait particulier dans lequel Dieu nous a transportés en tant que fils de Dieu. Que nous puissions être. Donc, l'assurance que nous avons. Parce que, regardez, frères, vous ne pas vous retenir. Nous avons la réunion pour ce qu'on a. Regardez comment cet homme, l'apôtre Paul, va avec cette hardiesse en parlant la grâce. Regardez bien, nous retenons d'abord Hébreux au chapitre 10. Hébreux au chapitre 10, regardez comment il dit. Il dit ici, quelque chose. Voilà, il dit, voilà ce qu'il dit. J'aime Dieu. Amen. Et il dit, verset 14, il dit, Hébreux 10, 14, il dit, mais car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours, Alléluia. Pas pour un moment, mais pour toujours, Alléluia. Ceux qui sont sanctifiés. Amen. Qui sont ceux qui sont sanctifiés? On l'a entendu, non? Amen. Verset 10, il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Amen. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, Amen. Notre Seigneur, une fois, j'aime Jésus. Amen. Une fois pour tout. Frère, regardez ce qu'il a fait pour nous. Et puis le verset 16, il dit, voici donc, verset 15, il dit, c'est ce que le Saint, dans Jérémie 14, pour que tu comprennes. Quand je dis, car quand tu l'offres, il a mis la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Verset 15, il dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Vous entendez? Amen. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. N'est-ce pas vrai? Et je les écrirai dans leur esprit. Amen. Donc aujourd'hui, toi mon frère et toi ma soeur, on est de Dieu. La parole de Dieu est en toi. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas combattre la parole de Dieu. Amen. Maintenant écoutez la suite. Il dit, je les écris dans leur esprit, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Alors dites-moi frère et soeur, vous qui combattez toujours, dites-moi frère et soeur, d'où est-ce que viendraient effectivement les livres dont vous avez écrit pour pouvoir dire, voilà, je veux vous dire tout ce que j'ai fait dans mon passé. Parce que j'entends toujours, oui, on a fait, oui, vous insultez Dieu, frère. Amen. Vous ne vous rendez pas compte, frère. Et surtout, après, regardez comme l'Écriture dit, parce que, frère, il dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Amen.
Comme tout ce que Dieu est passé dans ma vie, je dois m'asseoir après que Dieu m'ait pardonné, m'ait lavé, et tout oublié. Dieu lui dit, je ne me souviendrai plus. Amen. C'est moi qui dois me souvenir pour pouvoir m'asseoir et dire, bon voilà, quand j'étais à ce moment-là, dans les années, oui, mon sein avait été pressé. Je dis comme ça, parce que c'est comme ça que vous faites, non? Parce que la question de faire ça avait été posée ici, non? Bon, oui, et on avait pressé mon sein là, ici. Alors je dois savoir, c'est qui c'était, Joseph ou Jean Gabin? Oui. Je chaîne, mon frère, vous insultez. Sûr et certain. Mon frère et ma soeur, quand Dieu t'a pardonné, effectivement, amen, il a lavé, on ne revient plus. Amen. Il dit, je ne me souviendrai plus. Frère, on ne peut pas faire de doctrine, il n'y a pas de doctrine. Amen. Je ne me souviens plus. Mais c'est vrai. Maintenant, regarde. Dis, or, là où il y a pardon de péché, amen, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Alléluia. Ne restez pas esclaves des hommes. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul, vous en voulez tuer parce qu'il dit, oh, mais cet homme ici, il dit aux gens de pouvoir être. Alors que la loi nous dit, non, mais non, mais nous ne sommes pas sous la loi. Amen. Nous ne sommes pas sous la loi. Amen. Mon frère et ma soeur, alors, ça veut dire que si nous voulons rester sous la loi, l'œuvre que Dieu a accomplie au travers de Jésus-Christ n'a pas de valeur. Alors écoutez ce que l'Écriture vous dit. Écoutez. Si vous voulez rester comme ça, avec vos livres, ce que vous voulez faire, il n'y a pas de problème. Mais écoutez ce que l'Écriture dit. Verset 26, il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il va y avoir le pardon? Non. Non, monsieur. Ben oui, si vous n'allez plus pas, on ne peut pas laisser la grâce. Qu'est-ce que vous pouvez faire de vous-même pour être saint? Est-ce que c'est un homme qui va vous sanctifier? Non. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour vous? Ne rentrez pas dans des dogmes et des doctrines, effectivement. Vous savez, frères et sœurs, vous savez, les gens ont hérité effectivement des patrons des églises dans lesquelles ils étaient. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup de choses. Je vous donne par exemple un exemple. Quand vous voyez par exemple les frères prendre des photos avec femmes et enfants tout autour, effectivement. Vous souvenez? Regardez quand même, aux États-Unis, pourquoi est-ce que tous ces prédicateurs devaient les faire? Parce que il y avait une doctrine comme quoi que, comme la Timothée, l'évêque doit être bien avec sa maison entourée, ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils prennent les photos. Bien sûr, monsieur. Il y a beaucoup de choses que vous voulez. Des choses qui s'est passées effectivement parce que c'était en fait encore effectivement dans la Bible, des choses effectivement là-bas. Que Dieu bénisse ma soeur 40, ça fait de revenir. Merci Seigneur. Elle m'écrit, elle me dit, mais pasteur, que le Seigneur soit béni. Il dit, mais j'ai eu à pouvoir aller sur aussi écouter effectivement une de tes réunions que tu avais avec le prédicateur dans le. C'était en Côte d'Ivoire, et le prédicateur posait des questions effectivement pour voir effectivement comment se fait cette écriture. Alors, ils ont posé la question, effectivement, en rapport avec lorsque il y a eu la question dans le mariage, effectivement, comment les choses se faisaient, effectivement. Et vous avez répondu en disant que ce sont des coutumes reçues, effectivement, parce que c'est vrai, frère Branham a eu à pouvoir le faire, mais ce n'est pas conforme aux Saintes Écritures. Qu'est-ce que c'était? Voilà, nous retournons dans la salle, les mariés, futurs mariés sont là, et puis le pasteur pose la question, y a-t-il quelqu'un ici qui s'oppose à ce mariage? Vous posez cette question, effectivement, pendant que les deux sont là, tout le monde est venu pour que vous bénissiez, non? Alors, on doit poser la question maintenant, ils sont là tous les deux maintenant, tout le monde est habillé un dimanche, un mariage, effectivement, et puis la salle déjà, le bout là-bas, ce sont les côtés déjà préparés, tout le monde, effectivement, on vient simplement pour que vous priez, et qu'ils partent, effectivement, et qu'ils puissent aller se réjouir, manger, et tu te tiens là, bon, selon le message de l'heure, et je veux savoir, parce que pour montrer que je suis vraiment dans le message, je veux savoir, alléluia, merci Seigneur, et est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ici qui n'est pas d'accord, qui a-t-il soit dit contre, soit la femme aussi, qui veut dire que le mariage ne peut pas cesser d'être célébré? Il pose la question. Mais oui, comme je disais, mais je veux qu'il y en a un qui était là, qui n'est pas
né de Dieu, il avait l'œil sur la sœur depuis longtemps. Vraiment. Et il avait fait les contours, effectivement, la sœur est restée accrochée à la parole de Dieu jusqu'à ce que Dieu l'a montré son mari. Et puis il est resté avec la colère dans la tête. Il a dit effectivement, il dit, oui, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Oh, parce que moi je connais bien la sœur. Alors la pauvre sœur, il n'a pas eu quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Non? J'ai toujours eu à pouvoir le dire, c'est pas. C'est... Et puis ce n'est même pas correct. Quand tu dois célébrer, s'il y a des choses à arranger, on arrange avant. Amen. On voit les futurs mariés, on pose des questions. Est-ce que vous avez ce pouvoir de dire que vous voyez qu'il y a un petit souci ou quoi que ce soit? Parce que moi je ne vais pas viens confesser. Non, monsieur. Je n'ai pas dit, bon, ça maintenant vient. Non, monsieur, non, pourquoi je te demandais? Eh bien, confesser à moi, pourquoi? Non, non, non. Tu as confessé à Dieu, Dieu t'a pardonné, ça va? Amen. Amen. Il faut abandonner l'esprit catholique. Amen. Il faut les confessionnats, effectivement, maintenant, avant le mariage, il faut te sanctifier, sœur, va vider ton livre. Ça n'a jamais été de Dieu, frère. Parce que, s'il vous plaît, vous pouvez peut-être me critiquer comme vous voulez. Nous sommes quand même des gens qui disons c'est notre absolu, non? Amen. Et ça a toujours été l'absolu du prophète. Amen. Alors, dites-moi, où est-ce que vous trouvez ça? Ici, dans les scènes d'écriture, que avant que le mariage, le frère et la soeur puissent se marier, la soeur, enfin, surtout la soeur, il doit ouvrir son livre pour dire au frère tout ce qu'il y a eu comme passage dans le passé. Pour que le frère ait assis, dit, écoute maintenant, dis-moi. Il a commencé, oh, je connaissais Jean-Paul. C'est le nom que je n'ai pas joué à cause des noms. Et j'ai connu tapis, j'ai connu ventilateur, j'ai connu micro, et tout ça, dit, oui, continue encore. Donc, je dois connaître tout dans le fond. Et toi aussi, là, mon frère, c'est comme si Christ n'est pas mort pour toi. Amen. Non? Ça, c'est toujours à pouvoir vous dire, ce n'est pas conforme aux saintes écritures. Oui, dans les traditions anciennes, oui, monsieur. Chez les hommes là-bas, effectivement, dit, oui, ce sont les traditions qui étaient passées là-bas, effectivement, dans les temps. Et puis, on en a fait comme si c'était quelque chose dans l'église. Non. Nous, regardez ce que Dieu fait. Nous sommes en train de pouvoir monter la lumière devient de plus en plus claire. Amen. Alléluia. Nous ne sommes plus à ce niveau, mais nous montons effectivement. On nous a donné, et maintenant Dieu est en train de pouvoir nous montrer effectivement que oui, comme ça, quand on était encore enfant, je vais vous donner l'exemple qui va vous choquer. Et j'ai le preuve, je peux vous le montrer, et ça j'ai vu. Frère Branham, lui-même, au Branham Tabernacle, la Sainte Seine. Il a fait la Sainte Seine avec des petites coupes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. William Branham, voilà. Vous regardez, quand j'ai dit quelque chose, j'ai la preuve. Il dit coucou. Est-ce qu'on fait au sein de l'écriture? Non, monsieur, lui-même, il dit à frère Pellegrin, il dit frère, ça je sais que ce n'est pas conforme, mais les frères qui sont là-bas, à cause de la maladie tibiaise, effectivement, ils disent aussi on en il dit, mais monsieur, que moi je vais le faire avec une coupe, parce que c'est selon les. J'ai ça, mon frère. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Vous pouvez regarder maintenant comme ça, dire le message, frère, tu prêches pas le message. Mais je connais plus que ça. Amen. Mais c'est vrai, frère. Vous savez, il ne s'agit pas d'aller mais l'Esprit de Dieu qui conduit dans les choses. Oh, le prophète a dit, vous dites, oh, c'est un quoi. Frère, il ne connaît rien. Rien du tout. Parce que ce n'est pas qu'ils sont des gens, mais l'Esprit de Dieu. Oui, ils sont des autres, mais c'est vrai. C'était pas conforme. Il a fait. Mais puis il a dit au frère, non, moi c'est la coupe quand même. Je sais que j'aime bien faire avec la coupe. Et là-bas, le prophète. C'est peut-être un homme, monsieur. Amen. Et Dieu est en train de pouvoir nous amener à pour que nous puissions. C'est normal dès le début, effectivement, comme ça. Et puis Dieu a commencé à pouvoir lui montrer. Donc les choses montent, effectivement. On ne doit pas retourner dans les bateaux. Il faut qu'on monte avec Dieu comme Dieu le monte. Pour que nous comprenions. C'est pourquoi je dis, il dit, je ne me souviendrai pas. Amen. Si Dieu ne se souvient pas, et si vous voulez avoir votre livre pour vous faire bien plus que le message, et le message, je ne sais pas, faites-le. Mais sachez que l'Écriture vous dit, si vous péchez volontairement, après avoir reçu la reconnaissance de la vérité, vous pouvez vous utiliser bien. Si vous lisez très bien, lisez la pauvreté de l'Écriture.
l'écriture, effectivement. Mais je voulais quand même lire l'écriture, effectivement, dans Hébreux chapitre 10, parce que je me suis arrêté quelque part. Puis, vous en faites terminer, oh là là, vers Hébreux au chapitre 10, toujours, hein, parce que c'est que nous avons dit, je pense, mais verset chapitre 10, effectivement, il est pour vous dire, ah, voilà, verset 17, verset 10, verset 18, et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur séniquité. Vous savez, quand on fait cela, on comprend, il faut comprendre qu'un enfant de Dieu, il sait. Vous savez, frère et soeur, vous n'avez pas à pouvoir dire, quand nous grandissons les choses de Dieu, l'Esprit de Dieu prend contrôle de nous, il y a un trône de jugement. Amen. Vous n'avez pas besoin que vous disiez, ne touchez pas, ne faites pas. Non, parce que le Saint-Esprit, lui, il est capable. Mais quand tu vas jusqu'à cet élément, non. Amen. Pas jusque-là. Jusqu'ici, mais pas au-delà. Mais c'est la conduite de l'Esprit. Il sait effectivement te faire comprendre que c'est si tu peux et ça tu ne peux pas. Ça c'est un péché, ça ce n'est pas un péché. Amen. Vous vous souvenez de l'exemple de Pierre? Amen. Vous vous souvenez? Amen. Parce que vous devenez comme tétanisé. Vous vous souvenez de l'exemple de Pierre? Amen. La prière c'était un péché de marier ces choses-là. Mais Dieu vient lui dire. Amen. Moi je te dis pas. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu vas dire? Frère, tu as envie de dire, mais Dieu m'a dit à moi de manger. C'est ce qu'il a dit à Pierre, non? Tous les frères disent, frère Pierre, tu, toi, un homme spirituel. Il dit, nous, spirituel. Mais si je suis spirituel, c'est parce que celui qui me rend spirituel. Donc, c'est lui-là qui m'a dit, il m'a dit, moi, tu es mort. Amen. Et je lui ai dit, je lui ai dit, c'était lui, pas quelqu'un d'autre, pas mon père, mais lui-même. Amen. Vous voyez, il ne s'agit pas d'être religieux, mais un fils de Dieu. Amen. Quand on est fils de Dieu, on vit la parole. Amen. On prend plaisir à faire ce qui est juste. Amen. On ne va pas vivre dans les péchés, mais c'est celui-là. Oh, non, mais les cieux, quand même. Loin de là. L'homme spirituel, il aime la parole. Amen. Et il est conduit par la parole. Amen. L'apôtre Paul dit, mais je peux manger de tout, même les français. Dis-moi, Paul, je sais que je peux manger les français qui vivent. Mais à cause de celui qui a fait voilà. Je ne veux pas. Mais je peux manger. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le niveau spirituel, je peux manger. Je pas lui. Parce que ce niveau, je ne peux pas comprendre encore le chose de Dieu. Il faut qu'il grandisse, c'est fait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bon, on continue. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous continuons. Verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les méchants. Le verset suivant, il dit. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. C'est en fait comme le disait effectivement que, voyez-vous, deux trous ici, le cercueil est fait tomber par là, par ici, effectivement. Que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux plus avoir peur de « je vais aller en enfer ». Non, parce que même si le cercueil va par là, amen. Il va remonter par ici. Amen. Parce qu'il n'y a pas de peur. C'est-à-dire que l'Écriture dit, mais il faut que nous soyons dans cette assurance. Amen. Que par le sang du Seigneur Jésus, nous avons une libre entrée. Où c'est? Dans le sanctuaire, en tant que qui. Regardez très bien, regardez bien. Il est monté dans la cité. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, amen. Au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, nous avons un souverain sacrificateur. Amen. Établi sous la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Approchons-nous donc. Avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Donc nous approchons avec assurance, monsieur, amen. Que le Seigneur l'a fait pour moi. Même si quelqu'un aujourd'hui s'est lève et dit, oh, je connais cette sœur-là, une prostituée au carré. Vraiment. Alléluia. Elle, effectivement, tous les. Les gens gamins sont passés comme étant sur l'autoroute A40. Oh là là. Celle-là, je la connais. Oui, mais quand tu es venu en Christ. Même si c'était l'autoroute A40 ou A480, quand tu es venu en Christ, Dieu a fait de toi une nouvelle création. Même si lui, il te voit encore comme l'ancienne autoroute A40, Dieu te voit maintenant comme étant une fille là-bas. Oui, monsieur. Oui, madame. Et malheur à lui. Pour le regard qu'il pose sur toi maintenant. Parce que maintenant, tu n'es plus celle qui était hier. Tu es une fille de Dieu.
toi. Il veille sur toi. Amen. Oui, monsieur. Amen. Il a dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Et la personne des adversaires. Vos frères et ma soeur, nous avons beaucoup à apprendre. Les choses de Dieu, alors que nous voyons le jour s'approcher. Devant nous, nous allons.